Alors, concernant l'algorithme, on avait dit qu'il y avait l'étape de génération de clés. Et donc, du coup, on vous montre le procédé de génération de clés, donc ce qui vous permet d'obtenir la clé publique et la clé privée. Alors, ici, quand je retrouve la clé publique qui est NRE, et donc vous avez de l'autre côté la clé secrète qui est D. Alors, automatiquement, si vous connaissez N et E, on a vu que mathématiquement, il y a une relation entre E et 2. Sauf que dans la pratique, il est difficile de trouver le D à partir de E. Pourquoi? Parce que si tu veux trouver le D par rapport à E, ça veut dire que là, quand tu vois ce schéma-là, ça veut dire que tu dois obtenir cette fonction de l'air, c'est-à-dire qui est phi de N. Mais phi de n, pour pouvoir l'avoir, il faut connaître p et q. Or, p et q ne sont pas connus. Donc, ce qui est connu, c'est n. Et donc, ça, pour déduire p et q de n, ça, c'est connu. Pardon, monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Il y a un problème avec votre micro. Je vais essayer de Désolé. parler un peu plus fort, mais. Là, ma ligne, elle est bonne. Je ne sais pas si le problème se pose à votre niveau. Pour ma part, ma ligne, elle est correcte. Donc, il faut voir au niveau de l'arrivée, est-ce que ce n'est pas uniquement Ah ta... oui, pardon, monsieur, c'est bon. J'ai refresh, ça a marché. C'est bon, merci. OK. Donc ici, ce problème-là, c'est une remarque fondamentale qu'il faut garder. Pourquoi? Parce que cette remarque, elle est importante. Et ça montre un peu la robustesse de l'algorithme, pour dire que c'est quelque chose qui tient la route. Pourquoi? Parce que mathématiquement, si je te donne n, qui est à vrai dire le produit de deux facteurs premiers, donc ça, c'est en littérature, en mathématiques particulièrement. C'est connu que ce problème-là, c'est quoi? C'est de tirer P et Q à partir de N. Ça s'appelle le problème de factorisation. Ça veut dire, je te donne N, il est difficile de trouver. C'est vrai que mathématiquement, c'est le théorème de Fermat qui permet de le montrer, effectivement, que tout nombre peut être décomposé en un produit de facteurs premiers. Ça, c'est mathématiquement ce qui existe. Nous, on est dans le domaine informatique. Ça veut dire que quand tu as quelque chose, donc combien de temps tu es capable de le faire? Et là, c'est connu avec les caractéristiques comme étant un problème qui est difficile et donc qui prendra beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que si tu veux faire la factorisation, ça veut dire que tu es obligé de chercher tous les facteurs premiers, chose qui n'est pas simple. Et ensuite de faire les combinaisons de produits de ces facteurs premiers pour pouvoir arriver à avoir les combinaisons qui obtiennent le N. D'où la force, je dirais, de RSA d'un point de vue informatique. Donc, le fait qu'il est difficile de trouver cette factorisation, ça veut dire qu'il est difficile de trouver D à partir de E. Donc, ça, c'est ce qui existe dans la pratique. Alors, naturellement, au départ, on a commencé avec des petites clés, mais dès que
la performance et la puissance des ordinateurs, elle a augmenté. Ce qui a été fait dans la pratique, on a augmenté la clé, la taille de la clé. Donc, plus tu augmentes la taille de la clé, les nombres deviennent plus grands. Et donc, la factorisation devient encore plus difficile pour arriver à faire cette déduction. Et ça, c'est ce qui confirme ce que j'ai dit au départ. C'est vrai que mathématiquement, il y a une relation entre la clé publique et la clé privée, sauf que pratiquement, il est quasiment impossible de trouver la clé privée à partir de la clé publique. Donc, voici l'algorithme de chiffrement et de déchiffrement. Vous voyez qu'on chiffre avec la clé publique et on déchiffre avec la clé privée. Et donc, automatiquement, quelqu'un de prime abord, quand il voit ça, il peut être un peu surpris en disant « Tiens, j'ai chiffré une certaine quantité, ensuite, quand je déchiffre, je vais encore faire de l'exponentiation modulaire et je vais obtenir le message en clair. » Donc, de prime abord, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Mais on peut le rassurer, juste pour montrer la preuve. Donc, ce qu'on avait dit, on avait dit que la composition de chiffrement avec de déchiffrement, ça donne l'identité. Ben, comment ? Donc, ce que vous avez le chiffré de M, c'est quoi ? C'est M à la puissance E modulo N. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu ici dans le mécanisme de chiffrement. Donc, si tu as une quantité X, quel est son chiffrement? C'est x à la puissance e modulo n. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, tu prends cette partie-là. Donc, c'est ce qui existe à l'intérieur ici. M à la puissance e modulo n. Donc, le déchiffrement, c'est quoi? C'est le tout à la puissance d modulo n. Alors, automatiquement, là, ce qui est fait, ça, c'est des propriétés théoriquement que vous avez vues dans, en arithmétique modulaire. Donc, quand tu as m à la puissance e modulo n, tout à la puissance n modulo n, donc on fait sortir le modulo n, et donc le d qui va rentrer à l'intérieur, donc ça donne m à la puissance e modulo d, à la puissance d, modulo le tout modulo n. Et donc ici, ce que tu vas obtenir, puissance de la puissance, c'est le produit des facteurs des exposants, donc ça donne m à la puissance e fois d modulo n. Et donc ici, cette quantité-là, tu peux l'exprimer par ce qu'il y a en bas, donc m à la puissance e à la puissance e fois d, ça donne quoi? C'est, on sait que e est l'inverse de d modulo phi de n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux écrire e fois d égale 1 modulo phi de n. Tu peux l'exprimer sous une forme plus simple, ce qui voudra dire que k, e fois d égale à 1 modulo phi de n, cela voudra dire que ED, ce n'est autre que K fois phi de n plus 1. C'est ça ce que ça veut dire, donc d'une autre manière. Et donc, tu obtiens cette quantité-là. Donc, celui-là, tu peux, avec la somme, c'est le produit des éléments, donc c'est m à la puissance K fois phi de n fois n modulo n. Donc, ici, m à la puissance K phi de n, ça, on l'a vu à travers des propriétés déjà vues, ça donne 1. Ça, c'est 1 fois m, ça donne m, donc ce qui nous donne la solution, donc qui permet de montrer effectivement la propriété de la combinaison des deux chiffrements, ça donne le résultat voulu. Alors ici, comment je suis passé de, à vrai dire, de ça vers ça, vers le 1, c'est que j'ai utilisé une propriété que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, si on revient un peu, c'est à peu près, c'est celle-là, c'est le théorème de l'air que j'ai utilisé. À vrai dire, quand je l'ai utilisé directement, c'est, j'ai un peu court-circuité les étapes. Alors ici, ça c'est quelque chose qui est valable, mais à cette condition, il faudrait que A soit premier avec n. Donc, c'est comme ça qu'on utilise ça. Je ne peux pas l'utiliser dans tous les cas. Donc, ici, ce qui a été fait, regardez, c'est directement, j'ai utilisé m puissance k phi de n, modulo n, j'ai utilisé 1. Il faudrait que ça, que m, soit premier avec n. C'est comme ça que j'utilise, sinon je n'aurais pas le droit de l'utiliser. Et là, on peut le montrer que, quel que soit le cas de m, tu peux toujours avoir automatiquement cette propriété. Et là,
Là, voici la démonstration. Donc, c'est soit que M est premier avec P, donc un des facteurs de M, ou bien c'est un multiple de P. Et donc, dans les deux cas, vous allez voir qu'on obtient effectivement le résultat voulu. Et donc, automatiquement, s'il est premier avec P, on va avoir le principe, c'est quoi? C'est M à la puissance P moins 1 est égal à 1. Comme phi de N, c'est quoi? C'est P moins 1 fois Q moins 1. Donc, je peux l'écrire sous une autre forme qui est K fois P moins 1. Et donc, j'obtiens le résultat. Et donc, ça, cette démonstration, elle est aussi valable pour P que pour K, pour Q. Donc, soit P, soit Q, et donc vous avez le même procédé. Maintenant, le deuxième cas, si c'est un multiple, c'est-à-dire qu'il n'est pas premier avec P, mais c'est un multiple de P. Et donc, automatiquement, vous avez M à la puissance modulo P qui est égal à 0. Donc, automatiquement, ce que vous pouvez avoir, donc, vous avez ce procédé-là. Donc, on raisonne de la même manière et on peut démontrer que, effectivement, le résultat est escompté. Donc, ça, c'est ce qui a été prouvé dans la littérature pour montrer que RSA fonctionne bel et bien, c'est-à-dire qu'il respecte effectivement tous les cas et ça permet d'obtenir le résultat. Alors, à titre d'illustration, voici un exemple simple. Donc, on avait dit qu'on choisit deux nombres aléatoires. Ici, on a pris P qui est égal à 31 et Q égal à 53. Donc, vous pouvez vérifier effectivement que ce sont deux nombres premiers. Donc, tout l'astuce, c'est d'utiliser les nombres premiers. Pourquoi? Parce que les nombres premiers, tu ne peux pas les décomposer. Et c'est ça qui donne la force de cet algorithme. Donc, on va calculer le N, c'est quoi? C'est le produit des deux. On va calculer le phi de n, c'est quoi? C'est p moins 1 fois q moins 1, donc vous obtenez le phi de n. Ensuite, le e, c'est de choisir une valeur. Donc la seule condition de e, c'est quoi? Il faudrait qu'elle soit première avec le phi de n. Et donc, effectivement, tu peux montrer que e, c'est 11. 11, c'est un nombre premier, donc automatiquement il est premier avec n'importe quelle autre valeur. Et donc, à partir du procédé d'un algorithme aussi qui est connu, c'est l'algorithme d'Euclide étendu, vous pouvez calculer l'inverse de E modulo phi de n. Et donc là, quand vous avez un nombre avec phi de n, vous pouvez, avec l'algorithme d'Euclide étendu, calculer l'inverse de E modulo phi de 1. Et donc là, je suppose que vous connaissez le procédé d'Euclide étendu, ce qui vous permettra effectivement de réaliser l'opération pour avoir l'inverse de E. Et à partir de cet instant-là, vous possédez les deux clés, donc la clé publique E et N, et la clé privée qui est automatiquement D. Alors, si j'ai un message à chiffrer, je donne ce message à Neyman. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que de passer ce message vers la version numérique. Donc, si je prends chaque caractère par son ordre, je dirais au niveau de l'alphabet, vous avez cette séquence d'éléments qui est utilisée. Alors, ensuite, on va découper cette séquence. Donc, regardez la séquence où vous avez le codage de chaque caractère. Alors, on va découper ça en blocs, puisque le principe, c'est toujours de chiffrer par bloc. Alors, ce que vous avez, votre modulo, c'est le N qui est égal à 1643. Alors, automatiquement, l'idée ici, c'est de prendre un bloc de, je dirais, chiffres. Alors, pourquoi trois chiffres? Pour une raison qui est simple. Donc,
trois chiffres. On sait que les trois chiffres, la valeur maximale, c'est quoi? C'est 999, c'est 999. Ça veut dire qu'elle est toujours inférieure à 1640 euros. On n'a pas osé prendre quatre chiffres. Pourquoi? Parce qu'avec quatre chiffres, il suffit que le premier qui soit un élément supérieur à 1, automatiquement, vous allez dépasser le modulo. Et donc, quand vous dépassez le modulo, vous avez toujours un problème par la suite pour pouvoir déchiffrer. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dépassé le modulo. Automatiquement, l'élément que vous voulez chiffrer, il va subir une opération modulo pour pouvoir chiffrer par la suite. Et donc, ça, c'est qui peut vous causer des ennuis par la suite et ne pas avoir le bon chiffrement. Donc ici, on a pris trois positions, ça veut dire quoi? Vous allez voir que ça a un découpage de blocs avec trois positions. Donc on voit que je peux découper, sauf que le dernier, il n'y a que deux chiffres. Ça veut dire que je dois avoir trois chiffres donc, pour avoir des éléments de même longueur. Alors ce qui est fait dans la pratique, c'est on rajoute ce qu'on appelle un bourrage ou un emplissage. Du bloc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va rajouter, on sait que les zéros sont non significatifs à gauche. Et donc là, dans notre chaîne, ce qui nous manquait, il nous manquait une seule position. Donc, on va rajouter un zéro à gauche de la chaîne initiale. Donc, cette chaîne, au départ, c'était 0,1. Donc, ça va devenir 0,0,1. Et donc, et on peut faire le découpage. Automatiquement, on va obtenir des séquences de trois chiffres chacune. À partir de là, donc, on va procéder au... je dirais, ça va procéder avec découpage de blocs et de chiffrement par bloc. Donc, chaque bloc donc, qui est obtenu ici... Donc, vous voyez, c'est le premier bloc 001, ensuite 140, 513, 151 et 405. Chacun va subir le chiffrement. Et donc là, il suffit de chiffrer tous les blocs. Ça veut dire que vous avez chiffré votre message. Donc, il suffit de mettre l'un à côté de l'autre. Vous avez toute votre séquence qui est chiffrée. Donc, le premier 01 à la puissance 11, modulo 1643, et ainsi de suite. Donc, vous allez obtenir tous ces éléments. Et donc ça, c'est ce qui va constituer votre chiffre. Si on veut maintenant déchiffrer, ben tout simplement, on va prendre les éléments 1 à 1 et on va les mettre à la puissance D modulo N. Et donc, vous allez faire le même cheminement, vous obtenez tous ces éléments-là. Donc, cette séquence-là, l'idée, c'est quoi? C'est juste de la mettre, en juxtaposer l'un à la suite, je dirais, de l'autre. Pour obtenir le résultat final donc obtenu. Et ça, ce qui nous permet effectivement d'avoir le déchiffrement. Alors, voici un exemple simple. Si vous avez suivi le raisonnement, ça vous permettra de faire le travail. Donc, on a N qui est 5 fois 7. C'est-à-dire que P est égal à 5, Q est égal à 7. Alors, le E qui est choisi, il est égal à 5. Alors, on vous demande de déterminer la clé privée qui est D. Et ensuite, de crypter le message M égal à 4, puis le décrypter pour voir qu'effectivement, ça marche. Donc, à vous de participer à cet exercice et de voir quelle est la clé. Donc, quelle est la clé D? Donc, vous pouvez le calculer vraiment à la main, je dirais, très facilement. Vous avez P, Q, N, vous pouvez calculer, vous avez le E, donc vous pouvez calculer le D. Donc, je pense que le D, c'est quelque chose qui est assez simple. Vous avez trouvé quoi? Je rappelle que D, c'est l'inverse de E modulo phi de N. Donc ici, ça veut dire que vous avez N, vous devez calculer phi de N. Phi de N, c'est quoi? C'est P-1 fois Q-1. Donc ici, le P, vous avez, c'est le 5, et le Q, c'est
Automatiquement, il y a des gens qui l'ont calculé, donc ce qui est facile à faire. Voici la solution. Donc, vous calculez phi de n, c'est quoi? C'est p moins 1, c'est 4, fois phi moins 1, q moins 1, c'est 6, donc ça donne 24. Donc, vous avez le d qui est égal à 5. Donc, on doit avoir e fois d qui, ed qui est égal à 25, qui est égal à 1. Et donc, automatiquement, l'inverse de E, c'est lui-même, en vrai, c'est la même clé, c'est 5. Donc, quand on veut chiffrer, c'est M à la puissance 4. Donc, on a le message 4 à la puissance 5. Donc, ça vous permettra de trouver la valeur de 9. Et ensuite, pour déchiffrer, vous appliquez la même chose à la puissance 5 et vous retrouvez l'élément en question. Alors, d'une manière similaire, c'est la même chose si vous prenez, par exemple, un peu plus élevé, c'est n égale à 7 et 11. La clé publique, c'est 7. Donc, on détermine la clé et on fait un chiffrement et un déchiffrement. Donc, l'exercice est typiquement le même. Vous calculez phi de n, vous trouvez la clé privée et vous faites le chiffrement avec le même procédé, ce qui vous permettra de vérifier l'algorithme RSA. Alors, RSA, bien entendu, il y a des attaques qui ont été faites concernant RSA. Parmi les attaques, il y a une attaque cyclique, sauf que cette attaque, elle prend beaucoup plus de temps. Ce que vous avez votre chiffré Y. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est toujours en essayant itérativement de chiffrer le message jusqu'à obtenir, je dirais, le message lui-même. Donc, ça nécessite une puissance de calcul assez forte. Donc, ce qui est fait à chaque fois, on fait de l'exponentiation modulaire jusqu'à arriver à retrouver le Y. Donc, quand tu retrouves le Y, automatiquement, à partir de là, tu vas utiliser les propriétés et qui te permettent d'obtenir le x à partir, c'est-à-dire que quand tu as y à la puissance e à la puissance i, ça te donne y. Donc automatiquement, tu peux en déduire le x qui est égal à y à la puissance e i moins 1. Donc, mais sauf que cette attaque nécessite beaucoup de calculs et beaucoup de temps pour pouvoir y arriver. Alors maintenant, dans le truc pratique pour pouvoir, je dirais, mettre en œuvre le RSA et garantir sa sécurité, le principe c'est quoi? C'est que vous voyez que le module qui est utilisé, c'est le n. Ne jamais utiliser une valeur trop petite de n, parce que si tu as une valeur petite de n, donc le problème qui est à la base de la sécurité de RSA, c'est le problème de factorisation. Donc, si n est petit, donc automatiquement, tu peux toujours tenter de faire la factorisation, tu peux y arriver dans un temps relativement court. Et donc, tu peux casser par la suite ton mécanisme de chiffrement. Les problèmes qui sont pratiques aussi, qui sont utilisés, on utilise des nombres premiers P et Q. Alors, en général, les clés qui sont fortes, elles ont des propriétés. C'est que P-1 et Q-1 ont un grand facteur premier. Parce que quand vous prenez des nombres premiers qui sont P et Q, P-1 et Q-1, elles sont comment? Quelle est la caractéristique de P-1 et Q-1? Théoriquement, vous pouvez le déduire authentiquement. P et Q, c'est des nombres premiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des nombres qui sont impairs, en général. Vous n'avez pas des nombres premiers qui sont pairs, puisqu'ils ne sont pas décomposables. Donc, P-1 et Q-1 sont pairs. Donc, c'est des nombres pairs, donc ils sont décomposables. Et donc là, il faudrait que ils aient un grand facteur premier. Et c'est ça, ce qu'on appelle les clés qui sont fortes. C'est-à-dire que c'est les clés
qui sont utilisées à partir de PQ, mais avec P moins 1 et Q moins 1 qui ont un grand facteur premier. Et donc ça, c'est ce qui a été montré pour donner la robustesse et la puissance à cet élément. Alors, de la même manière aussi, ne pas chiffrer des blocs trop courts, ça veut dire que, rappelez-vous tout à l'heure, on avait le modulo et on avait le choix du bloc. Donc, ne pas choisir un bloc qui est très petit, il faut choisir le bloc qui est vraiment le plus proche de n. C'est vrai qu'il n'est pas égal à n, c'est ce qu'on a vu à travers l'exemple tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est inférieur à n, mais qui est très proche de n. Donc là, ça veut dire que tu donnes des blocs qui sont assez grands et tu ne pourras pas facilement les casser par la suite. Alors, autre propriété aussi, ne pas utiliser le modulo n à plusieurs partenaires, c'est-à-dire que tu as plusieurs partenaires avec qui tu communiques. Il ne faudrait pas que tous les partenaires aient le même n. Parce que si les partenaires ont le même n, il y a des situations, on peut le montrer, même mathématiquement, pour montrer que si on utilise le même n, on peut casser le chiffre par la suite. Alors, bien entendu aussi, si à un moment donné, ta clé secrète, elle est connue, automatiquement, il faut éliminer le modulo n. Pourquoi ? Parce que le d, il est connu, il est en relation indirecte avec le n, donc automatiquement, il faut éliminer le n. Donc, et choisir un nouveau n et donc régénérer un nouveau, une nouvelle clé de ton module RSA. Alors, ça c'est l'étape qui permet de montrer les étapes qui nous permettent de mettre en œuvre d'une manière pratique le RSA. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de choisir la taille du module n. Alors, en général, cette taille, c'est quoi? C'est une clé avec laquelle tu vas travailler. Donc, au niveau de la machine, tout est binaire. Et donc là, tu choisis quelle est la taille de ton module n en termes de bits. Et par la suite, n, il est déduit à partir de P et Q. N, comment qu'il est choisi? Il est choisi quand on a déjà choisi P et Q. Et donc, si je dis que la taille de N, c'est B bits, donc pour choisir P et Q, ça veut dire que P, il doit avoir une taille de P sur 2, ainsi que Q, puisqu'on avait dit que le P et Q sont de la même ordre de grandeur. Et donc, à partir de là, tu peux choisir, commencer par le choix des nombres premiers. Alors, comment on fait le choix de nombre premier? En général, on utilise un générateur aléatoire qui nous permet de générer des nombres aléatoires. Donc, le nombre aléatoire que je peux générer, alors, je sais que je dois choisir un grand nombre aléatoire. Donc, si je précise la taille de B sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire si c'est s'il est grand, il faudrait automatiquement, c'est son bit de poids faible, il est égal à 1. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas égal à 1, ça veut dire qu'il est pair. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Il ne peut pas être un nombre premier. Donc, on met le bit de poids faible à 1. Au même titre aussi, il doit être assez grand. Donc, s'il est assez grand, ça veut dire que je dois mettre les deux bits de poids fort à 1. Et donc là, je m'assure automatiquement que ce nombre généré, il est assez grand, donc très, très proche de la valeur de B sur 2 bits, et il est impair, donc qui peut être candidat, je dirais, pour être un nombre premier. Alors, par la suite, j'ai un nombre impair, pour voir est-ce qu'il est premier ou pas. Vous avez normalement les algorithmes de vérification si un nombre impair est premier ou pas, parmi lesquels vous avez le test de Miller-Rabin, et d'autres tests, donc ce qui permet de vérifier votre nombre s'il est premier. Normalement, ces choses-là, vous les avez déjà vues en arithmétique modulaire. C'était le but. Alors ensuite, je vais faire la même chose pour Q, donc avec le même procédé. Bien entendu, il faut éviter que P soit égal à Q, parce que si P est égal à Q, c'est un problème.
Donc, ce n'est plus le produit de deux nombres aléatoires. Et donc, automatiquement, ce qui voudra dire aussi que votre générateur aléatoire, il n'est pas bon. Et on teste le Q. Donc, s'il vérifie par la suite, donc j'ai choisi deux nombres aléatoires automatiquement. Et l'idée, c'est quand on choisit par la suite le problème, c'est-à-dire j'ai choisi P et Q, j'obtiens le N. Ensuite, je peux calculer le phi de N. Et ensuite, ce qui me reste, c'est le choix de E. Je vais choisir le E. Alors, pour choisir le E, c'est je peux choisir directement une valeur de E qui est un nombre premier. C'est plus simple. Pourquoi? Parce que je suis sûr que par la suite, il sera premier avec phi de n. Alors, comment choisir le E? Le E, c'est ce qui permet d'assurer l'exponentiation. Alors, je vais faire de l'exponentiation. Sauf que je veux faire les choses rapidement. Donc, si je veux faire les choses rapidement, ça veut dire que ce E, il doit posséder, je dirais, un minimum de, je dirais, de bits qui sont égaux à 1 et donc qui permet d'avoir, d'avoir, je dirais, la... le calcul assez rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois ces éléments-là, c'est des valeurs qui sont assez atypiques, particulières. C'est des valeurs qui ont 2 bits qui sont égaux à 1. Donc là, si tu as 2 bits qui sont à 1, ça te permettra de faire le procédé d'exponentiation modulaire rapide dans un temps relativement très court. Donc, je suppose que vous connaissez l'exponentiation modulaire. Et donc, cette exponentiation modulaire rapide, ce qui consiste à faire les choses d'une manière très, très rapide et très simple. C'est-à-dire que l'exponentiation qui revient à, en général à faire des décalages et à faire des produits simples. Alors, c'est ce qui est fait pour le choix de E. Alors, en général, on évite de choisir la valeur de 3 parce que la valeur de 3 est considérée comme une valeur qui n'est pas sûre. Il y a beaucoup de, je dirais, de travaux qui ont été faits et on a pu montrer qu'on peut casser à un moment donné avec E égale à 3. Et le problème, c'est que vous avez vu la démarche, c'est qu'on peut tout faire jusqu'à présent avec des choix judicieux pour essayer de nous faciliter la vie. Sauf que le problème qui se pose, c'est que quand vous arrivez à D, vous n'avez pas le choix. Parce que D, il est calculé sur la base de E. Ça veut dire que D, c'est l'inverse de E modulo phi de N. Et donc, grâce à l'algorithme d'Euclide étendu, je peux le calculer. Mais le problème, c'est que D... Si dans E, j'ai choisi un nombre minimal de, je dirais, de bits égaux à 1, dans D, je n'ai pas le choix. Je vais avoir un certain nombre de bits qui sont égaux à 1, c'est à la suite du procédé de calcul. Et bien entendu, toute la sécurité réside dans le fait que vous ne publiez pas P, vous ne publiez pas Q, et non plus vous ne publiez pas phi de 1. Et donc ça, c'est ce qui permet de garder secret tout votre système. Donc, automatiquement, dans ce procédé, c'est-à-dire on a aiguillé d'une manière pratique, avoir peu de calculs au niveau de l'exponentiation modulaire avec E. Le problème, il va rester posé pour le déchiffrement, c'est-à-dire l'exponentiation modulaire à la puissance D. Alors, comment justement réduire les calculs pour le déchiffrement. Donc, c'est ce qu'on va voir à la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, je laisse le reste parce que je ne peux pas l'entamer tout de suite, ça prend beaucoup de temps. Et je suppose que vous avez un cours juste après. Donc, j'arrête à ce niveau-là. Et donc, on verra par la suite comment opérer pour réduire les calculs au niveau de la fonction de déchiffrement
avec des procédés qui nous permettent de réduire un peu la taille des calculs pour arriver à des calculs qui sont plus simples. Et ça, on va utiliser grâce au théorème de reste chinois. Ça nous permettra d'avoir aussi bien la performance dans le mécanisme de déchiffrement. Je vous rappelle que tout à l'heure, le groupe 1, il aura, ainsi que le groupe 2, normalement, on a les TD qui commencent. Donc, je commencerai le TD avec le groupe 1 tout à l'heure à 11h.